quels sont les 10 meilleurs aliments pour lutter contre le diabète? Bonjour et bienvenue les passionnés de la nature, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial, les meilleurs aliments pour prévenir et gérer le diabète, le tout appuyé par des études scientifiques. Que vous soyez diabétique ou que vous cherchiez à adopter un mode de vie sain, cette vidéo est faite pour vous. Et restez jusqu'à la fin avec moi car j'ai une recette bonne pour la glycémie à vous proposer. Mon nom est Isabelle, je suis passionnée par une vie saine et gourmande. Je suis ici pour vous guider sur le chemin du bien-être, de la santé et de la vitalité. Peu importe votre âge ou votre condition physique, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Et tout d'abord, le diabète est caractérisé par un taux élevé de sucre dans le sang. Touche des millions de personnes. Heureusement, notre alimentation peut jouer un rôle clé dans la gestion et la prévention de cette maladie. Et commençons avec les légumes à feuilles vertes, épinards, kale, laitue, ils sont pleins de nutriments et faibles en calories. Une étude publiée dans le BMJ montre qu'une consommation élevée de fruits et légumes peut être associée à un risque réduit du diabète de type 2. Je vous mets les références des études ci-dessous dans la description. En deuxième lieu, les légumineuses comme les haricots, les lentilles, les pois chiches sont riches en protéines et en fibres. Selon une publication de CIP, elles aident à stabiliser le taux de glucose sanguin. Les grains entiers sont également cruciaux. Quinoa, avoine, riz brun, ils sont pleins de fibres, aident à maintenir un niveau stable de sucre dans le sang. Une méta-analyse dans l'European Journal soutient cette idée. Les fruits à faible indice glycémique. Les fruits sont excellents, mais privilégiez ceux à faible indice glycémique comme les pommes, les poires, les baies. Une étude du BMJ a montré que ces fruits peuvent réduire le risque de diabète de type 2. Les noix et les graines, riches en graisses saines et en fibres, sont vos alliés. Une étude du Journal of Nutrition a lié la consommation de noix à un risque réduit de diabète de type 2 chez les femmes. Produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Optez pour des produits laitiers à faible teneur en matière grasse, le yaourt grec et le lait d'amande. Une méta-analyse dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'ils peuvent réduire le risque de diabète de type 2. Les aliments riches en oméga-3. Les aliments riches en oméga-3 comme le saumon, les graines de lin et les noix sont bons pour la santé cardiaque. Un aspect crucial dans la gestion du diabète, une revue dans le British Journal of Nutrition l'a confirmé. Je vous mets la référence de l'étude ci-dessous. Les légumes non féculents. Les légumes non féculents tels que le brocoli, les poivrons, les tomates sont faibles en calories et riches en nutriments. Une étude de Diabetes Score a associé une grande variété de fruits et légumes à un risque réduit de diabète de type 2. Je vous mets le lien ci-dessous. Avec ces aliments appuyés par des études scientifiques, vous avez maintenant les clés pour prendre soin de votre santé et prévenir le diabète. N'oubliez pas que l'alimentation équilibrée et l'exercice sont les fondements d'une vie saine. Et avant de nous quitter, voici une recette favorable à la glycémie. Dans un grand bol, mélangez deux tomates coupées en dés, un concombre coupé en dés, un avocat coupé en dés, arrosé d'un jus de citron à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, sel et poivre selon vos goûts, et quelques feuilles de basilic si vous le souhaitez. Mélangez délicatement pour combiner tous les ingrédients sans écraser l'avocat. Servez immédiatement ou laissez reposer au réfrigérateur pendant quelques minutes pour rafraîchir la salade et mélanger les saveurs.
Et maintenant, pensez à liker, à partager, à commenter cette vidéo. En faisant cela, vous allez aider un maximum de personnes à prendre leur santé en main. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est gratuit, si ce n'est déjà fait, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car j'ai beaucoup d'astuces, de recettes et de conseils à partager avec vous. Car ensemble, nous pouvons atteindre une vie plus longue et en meilleure santé. À très vite dans une prochaine vidéo. Et le dicton de la vidéo, dans l'assiette de la santé, chaque bouchée compte. À très vite.